J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane comme ça. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sabrina820 Gaming. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure hein, dans l'épisode 1 de Days Gone, mais malheureusement j'ai vu que sur la vidéo, ça n'avait pas enregistré. Il y a une petite partie du début qui a été coupée. Donc en ce moment, bah, chez moi, évidemment, j'ai une très mauvaise connexion internet hein, à cause de la météo. Donc pour le moment, je fais des petites vidéos et je reprendrai les lives hein, dès que la météo sera meilleure. Donc, bah, tout à l'heure, bah, on était arrivé là, donc on continue. Casier d'armes. Ah, alors. Casier, arme de poing, principale. Ah, donc c'est pour stocker les armes, ça. D'accord. Bah, je vais prendre ça, alors... Non, bah c'est déjà pris alors, non? Spécial 3 arbalètes équipées. Bah on va prendre ça alors. Voilà. Pratique pour agir en discrétion. Bah oui, puis la discrétion et moi. Hein? Forcément, c'est connu la discrétion et moi. Bon, mais en tout cas, c'est un jeu qui est très joli, hein, comme je disais tout à l'heure, et qui me plaît vraiment énormément. Alors, je pense qu'en ce moment, bah, je vais faire pas mal de Days Gone. Alors, bon, pour l'instant, ce sera des petites vidéos d'une heure à cause, comme je dis, de ma connexion Internet, mais dès que je peux, je refais des lives, il n'y a pas de souci. L'état de ton bras va s'aggraver. Fais chier. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Donc là, il faut que je trouve de quoi soigner son bras. Le bras de Boozer. Et puis, des pièces pour la moto également. Vous pouvez pas récupérer des choses ici. Ah, bah si, là, il y a une batte. Ça peut m'être utile. Non, là, c'est du bouteille de... Ok. Bon, bah, elles étaient toutes les deux à 100%, de toute façon. Ça, je peux pas. Ça doit être des pièces au maximum. Là, il y a un bidon d'essence, mais ça sert à rien. Bon, ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi, j'ai comme je dis, j'aime bien fouiller partout. Là, je peux pas, de toute façon, je suis au maximum. Bon, bah, on va suivre le petit objectif. Hein. Alors, par contre, pourquoi ça met... Non, c'est parce que c'est par là qu'il faut que je sorte. D'accord. Ah, mais je prends pas la moto, je crois, c'est ça. J'ai pas le droit de la prendre. Je vais pas prendre la moto de Boozer. Faut que je retrouve la mienne avant la tombée de la nuit. Ouais. Oh, merde, oh, merde. Boozer, t'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Eh, hey, je viens de voir un type fureté près de la planque. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé. D'accord. Donc en fait, oui, pour atteindre les cibles, faut viser.
Là, j'ai quand même le pistolet, mais je peux pas avoir de munitions. Ah non, ah non, c'est l'arbalète. Non, c'est le pistolet, ça. Arme principale, mais je l'ai. Non. C'est quoi, ça? Carreau. D'accord, bon. On va garder l'arbalète. On va essayer. Donc, il y a quelqu'un qui traîne près de notre petite base, alors. Là, ça, les arbres, apparemment, on peut Carrément. récupérer. Je suis déjà accro à ce jeu. Alors. Au bout du don, tant autant. C'est pas possible. Et... pense autant comme ça. Non, je vais déjà blesser sans doute, j'avais pas vu. Allons voir celui qui traîne. Ah, par contre, la pile. Ah ouais, voilà, donc c'est bien ça. On a bien une lampe torche. Ouais. Et bon, comme s'ils l'ont. C'est mis dans les astuces quand il y a des chargements, mais ils le disent pas en cours de jeu. Je vais pas l'avoir comme ça. J'essaie d'être discrète. Marquage furtif. Activez les jumelles avec croix directionnelle haut. Appuyez sur R2 pour marquer les ennemis. Vous pouvez ainsi suivre leur déplacement au niveau d'alerte. D'accord, ok. Alors on se cache là. Qu'est-ce qu'on peut R1. trouver? J'avais raison. Les deux drifteurs qu'on a vus sur la même moto, ils se cachent un peu plus loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes? D'accord, comme Ils ont ça. une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur Écoutez. prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute. On les fait faire foudre. Ah zut. Voilà, on y est. Oula, il m'a vu, zut, 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 Sabrina. Prends ton pistolet. Oh, mais ils sont plusieurs! Sabrina, t'as pas été discrète! Cours, Forest. Je quitte la zone de mission. Ben non, mais je quitte pas la zone de mission, mais je veux me protéger, c'est pas pareil. Aïe, maintenant ils vont encore me dire que je quitte la zone de mission là. En fait, il y en avait un autre là-bas. Deux autres. J'ai toujours mon pistolet. Je l'aurais pas d'ici. Non. Je sais pas comment passer par là. Tant que je voyais le cadavre là que j'ai.
Cette fois, je te tiens. Je suis touché. Merde. Il en reste 3. Ah, il y en a un là-bas que j'ai pas marqué avec les jumelles. Est-ce que je peux reprendre mon arbalète? C'est ça l'arbalète? Rentre, saloperie! Ouais. Ok. Le problème c'est que j'ai... Non, j'ai pas de... Ah ben j'ai des cocktails Molotov aussi que je peux peut-être essayer de l'utiliser un petit peu. Dans une flûte là. Retour à la flûte si vous avez été repéré par un ennemi qui était son champ de vision. Bah oui, je m'en doute ça. Hey, le drifter, arrête de te cacher et viens causer. Oui oui, bah on va causer. Des mecs dans ton genre, ils savent se démerder. Laisse pas tout seul. Rejoins-nous. Ouais, laisse tomber ton flingue. Mais je laisse tomber mon flingue, y a pas de problème. Ouais, l'enfoiré. Allez, vous êtes plus que deux. Est-ce que je peux t'avoir à l'arbalète, toi? Voilà. Allez, sors! Je sais que... Ah oui, bah je vais sortir, hein, de toute façon. Alors, il n'y a pas d'aide à la visée, alors c'est vrai que c'est pas... Bon, il n'en reste qu'un seul. On n'a plus besoin. C'est fini. Je croyais qu'il était là. C'était le dernier. Bon, ben voilà, je suis bien sorti. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Tiens, enfoiré. Approchez pas du mont, Léry. Bowser, j'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui... Changement d'arme rapide, appuyez sur triangle pour prendre votre arme principale, maintenez triangle pour passer rapidement à votre arme spéciale. Vous voulez nous piquer notre planque? Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Voilà, ce jeu. J'avais pas de munitions. Attends, je vais pas retourner vers la moto tout de suite. Il y a peut-être des choses à récupérer quand même. Ça peut toujours être utile. Les cocktails Molotov, ce que je... Non, je suis à fond. Je... Bah non. Non, mais je peux pas en fabriquer. Ah non, c'était là. Mais c'est pas pareil, c'est des grenades. Ah bah j'en ai une. Couteau. Ah, il y a des trousses de soins aussi ici, d'accord. Ok. Là, c'est attracteur. Ah bah oui, ça doit, c'est ce que j'ai récupéré tout à l'heure. Je sais pas trop ce que c'est, je n'ai pas bien lu. Bon. On en prend une toute belle. Alors. Attention, bah, ah ouais, dis donc, et on saute à peine. Et on perd, pas possible au niveau de la vie, dis donc. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a encore à récupérer? Il y a des choses là-haut.
Voilà, c'était ma batte de baseball que j'ai. Non, là, je suis trop. Non, non, bon, je crois qu'il n'y a plus rien. Parce que là, c'est quoi? On va aller voir, mais je crois que c'est. Ah, si. Voilà. Bon, bah, on va retourner à la moto alors, puisqu'il faut retourner à la moto. Oh, saloperie de mutant. Ah. Non, non, c'est ça que je voulais faire. Il doit y avoir un zoom. C'est L3 le zoom. D'accord. Il n'y en a que deux? Ah non, 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 il y en a d'autres là. Là, on peut se mettre dans les herbes. Hop. Ouais, non, il y en a plein même. Oh, ouais, c'est. Ouais, oui, c'est la fête aux zombies là. Est-ce qu'on peut faire des attaques discrètes? Comme moi, j'aime bien la discrétion. Droit de munitions. Oh, je crois que la discrétion. Non, ils sont pas censés me voir là, hein, on est d'accord. Non, 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 Sabrina. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ouais, 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 une autre prime, ouais. Mais pourquoi il meurt pas? Non, 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 non! Mais. Ça t'a plu? Waouh! On va peut-être se prendre un petit soin? Ah, il y en a partout sur. J'ai du mal à retourner à ma moto. Non, faut que je grimpe, aller en hauteur ma moto, pas forcément. Je sais pas si je peux la voir discrètement. Ça m'étonnerait. Ça c'est bien ça.
c'est pas les mutants. Faut qu'il pleuve. Pourquoi ? Il faut toujours qu'il pleuve. Oui, bah moi, par chez moi, il pleut pas, mais il y a beaucoup de vent. Hein. Chacun son truc. Hein. Il y en a encore pas mal, hein. Il n'y en a pas qu'un ici. Hein. Ah, et puis il est le temps qu'il recharge. Hein. Allez, c'est comme dans The Last of Us, c'est le corps à corps. Où est-ce que je suis? Je dois plus être loin. C'est bien là, cette petite séquence là. Ah. Bon, pas la peine que je garde ça, il n'y a plus de munitions. Oh là là. Et c'est qu'il n'y en a pas qu'un là. Non, c'est pas des grenades. Mais pourquoi j'ai pu... Ah, je voulais tester les grenades. Non, qu'est-ce que j'ai là? C'est pas ça que je veux faire, c'est... Ah, je tire bien, hein. Je sais pas combien de flèches pour l'avoir. Faut que je retrouve ma moto. Je dois plus être loin. Je croyais qu'il y avait des... Ah oui, voilà, ici, une petite... Qu'est-ce qui crie comme ça, là? Parce que je l'ai pas vu, celui-là. Ah, c'est là-bas. Bon, un petit peu de discrétos, là, ça devrait le faire. Il est en train de se régaler, là. Voilà. Pas à quoi ça sert les oreilles, mais ça doit servir à quelque chose forcément. Bon, je sais que j'ai la lampe torche, hein, mais je préfère pas l'allumer parce que... Je me rapproche. J'ai peur d'éveiller. Ma belle, où t'es passé? Alors, il y en a encore ici des zombinettes. Moi, je les appelle des zombinettes. Voilà, c'est bien ça. Et la moto qu'on avait laissée ici. Elle.
pris ma bécane. Ah, ça c'est bête. Putain ! Chez Copland ! Hé ! Tu viens du camp de Copland ? Putain, où est passée ma moto ? Hé ! Arrête-toi, putain de merde ! J'ai pas piqué ta moto, mec ! Je te jure ! Je vais pas te buter ! Arrête-toi, bordel ! Bordel de merde ! Parle à Copland ! Moi, je suis au courant de rien ! Hé ! Je veux juste ma bécane ! J'ai rien fait, moi ! Ok, là, je vais te buter. Loser, t'es là ? Ouais, dis, t'as trouvé ta moto ? Non, les hommes de Copland ont mis la main dessus. Ouais, et puis... Son camp. Terminé ! Endurance épuisée, bah ouais, c'est embêtant, ça. Alors où est-ce qu'il va être son camp aussi? Est-ce qu'il faut descendre? Ah ouais, sans doute. Il va y avoir plein de méchants encore aussi. C'est ça le problème. John, c'est toi ? Un fils de pute a piqué ma moto ! Je suis pas au courant. Je devrais parler à Mali. Ouais. Ok. C'est lui que je voulais voir. Il y a quelques mois, j'étais chez Crazy Willy. En fait, on arrive dans le camp, en fait. Salut, Mani. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre une fois, Le Zen et l'art de la mécanique. Tu connais ? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, j'installais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Mani, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas ? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans deck. Je te jure, elle a dû en voir de belles. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire ? Ok. Comme celle-là, Mani. Ok. Quand j'ai dit à Brutti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière. Et... Dick, faut qu'on parle. Du grabuge, on dirait. J'ai suivi une grosse attaque hier soir. Encore des Reapers. C'est la deuxième fois. Il y en a qui pensent qu'ils vont chercher plusieurs étoiles. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. D'après mon expérience, c'est tout sauf zen de réparer une bécane. C'était des coups de feu, mais c'était des mutants. Un paquet de mutants. Et puis... Non.
C'était tout. Les gens s'entraident ici. On manque de vivre. Vous êtes en pénurie ? Pêche de la truite, la fonte des neiges alimente le lac. Sans personne pour le réapprovisionner, on finira par en manquer. C'est comme pour tout. Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père. On construisait une cachette. On posait des pierres à sel. Et on faisait un vrai carton. L'hiver, on croulait sous la viande séchée. Je pensais que c'était pas légal d'appâter les cerfs, à l'époque. Mon père obéissait à une seule loi. Constitution des États-Unis. Si vous voyez aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté. Tu l'as dit. Oh, il y a quelqu'un qui ronfle. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là! D'après Tuck, il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute, tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors... je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée. Tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick. Récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa, ta casquette. Quoi? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp? Commence par me rendre service. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire? Non, ça l'est pas. Mais... je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Bon. Bah, on n'a pas récupéré la moto et ni les pansements pour le copain, là. Joyeux anniversaire, Cope. On dirait qu'il avait un gosse. Ouais, Cope. Personne nous prendra nos flingues maintenant, hein. À rapporter de la viande fraîche. T'imagines? Bonjour. Vous pouvez récupérer puis livrer des oreilles de mutants aux agents de prime des camps pour gagner confiance et crédit. Ben, j'en ai des oreilles de mutants. Ouais, salut. Cool. Au moins, tu perds pas de temps. Ok. Ok, on se voit plus tard. Tu veux quoi? Comme tu veux. Marchand, moyennant quelques crédits. Qu'est-ce que je peux faire? T'as un problème?
peux faire autre chose pour toi ? Excellent choix. Ok. Évite. Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto ? Ah, je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny ? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup ? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Qu'est-ce que tu fous là ? Alors, j'ai fini cette mission-là, apparemment. Bon. Alors, Boozer et moi, on ne pourra pas continuer vers le nord tant que cette moto ne sera pas réparée et qu'on aura récupéré du meilleur matos. Alors, triangle scénario, qu'est-ce que... Ah oui, est-ce que ça... D'accord, là, c'est le... Sentiments, genre la joie, la tristesse, tout ça. J'en sais rien. Mais j'espère pas. Nouveau point de compétence. Bah tiens, on va... Alors, comme ça. Vers le bas. À gauche. En haut. Bah qu'est-ce qu'il va me faire, là ? Pas trop compris là, mais bon. Scénario, carte, inventaire, compétences, vers le bas. Ben non, alors pourquoi si c'est... Non. Donc là, L1, d'accord, inventaire, scénario. Ah oui, donc là, on a les missions en cours, avancement, objet rare, là, l'inventaire. Ok. Et là, R1, compétence. Parce que j'ai un point de compétence, apparemment. Résistance. Ah oui, d'accord, donc c'est là. Bon, bah, acheter, on va mettre... Roi de l'évasion maîtrisée, voilà. D'accord. Donc c'est là les points de compétence. Et après il y a tir concentré, ouais. Roi de l'évasion, tir concentré, c'est d'autres points de compétence, oui. Le sens du détail. Bon, ok. Bon, bah, de toute façon, je crois que je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Donc, nous sommes arrivés au camp. Désolé pour ta moto. J'avais pas, je te jure. Et. Comme tu veux, Manny. Je récupère cette moto-là à la place, alors. Pour aller à mon objectif. Ok, bon, bah, on récupère une moto quand même si c'est pas la nôtre. Voilà, bah écoutez, hein, on va arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous remercie tous. Hein, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à tous à bientôt. Sachant que, hein, vous inquiétez pas, je vais refaire des lives hein, dès que ma connexion sera meilleure. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao tout le monde.